Bienvenue à la ferme La Tortue. Nous allons passer à travers le champ pour aller dans la production de pondeuse. Nous allons voir hangar, hangar industriel, dépôt, usine côté de faire manger. Et là, nous allons retourner, nous allons voir hangar élevage, abattoir. Donc, c'est sur toute distance-là nous allons poser des questions. Relax, c'est un moment pour nous voir justement comment nous-mêmes nous allons faire la production nationale. Là. Nous allons déraper. Jardin de bananes, il y a jardin de citron, il y a mango et puis il y a pois. Donc nous allons passer à travers eux. Là, des deux côtés, nous avons des bananes qui sont plantées. Il y a une production régulière, mais ce n'est pas la principale production de ferme. Les fermes sont des fermes avicoles, mais dans l'espace, ça nous produit. Et nous avons papaye, nous avons mango. Nous avons cerises, nous avons lame. C'est élevage en petite quantité, mais nous faisons tout, puisque en général, nous avons ferme. Là, nous avons une plantation de citron spécialisée. Nous avons une plantation spéciale pour citron. Nous avons un pois Congo, qui lui-même prend 7 mois. Ça a son pois qui apparaît en décembre, parce que moi, je crois que je dis, on ferme les vignes et on produit plusieurs barres à la donne, mais nous avons fait des fermes spécialisées. Parce que imaginez vous, nous importons 60 millions de dollars d'œufs. Nous importons 900 millions de dollars de morceaux poules. Ça fait 960 millions de dollars. Qui fait que nous sommes obligés de voir comme ça là-bas. Alors que si nous arrivons, eh bien, pour produire, la balance commerciale, nous, il va déficitaire. Et Goud n'a pas besoin, il va à 120, car il descend à 45 ans. Je dis que le sénateur La Tortue est un danger pour l'agriculture dominicaine. Et ça, au produit, on ne va pas tout petit, pas vite. Si nous frappons fort, bon, nous sommes dominicains. Là, nous pas peur dominicains. Mais nous avons montré dominicains que dépendance qui était faite pendant longtemps, hein, nous pas tolérer le jeudi. Et il y a pile de monde en Haïti qui est capable de faire. Et c'est peut-être ça, visite ça, il était extrêmement important pour que tout jeune garçon voit que ce n'est pas mon monde qui était agronome, pas agronome. Il y a une volonté pour nous gagner. Et l'État doit encadrer dans prêt. Imaginez toute ligne. Ouais, toute ligne ça, c'est moi qui passe. Toute ligne courant ça. Son investissement. Ouais. Si tu as un courant, je ne vais pas faire ça. De l'eau, n'a pas très bas. Je suis obligé de mettre des pompes. Mais si l'État a fait de l'eau, ça va arriver que je ne vais pas faire investissement encore. Donc, bah, là, c'est encore plus facile si l'État prend. Ça, c'est un hangar qui a environ 10 000. 10 000 poulets. Et nous, que y a pond là, en dedans hangar là, il y a trois bagages. Il y a de l'eau, c'est ligne de l'eau. C'est ligne qui allait juste dans le fond. Côté nous, pour lui, il y a bois de l'eau. Il y a ligne mangeoire là. C'est côté que, pour lui, eux-mêmes, ils mangent. Et puis, il y a pond de l'eau. Côté, il y a le pond. Donc, en hangar là, nous avons trois bagailles. En hangar, ça a une longueur de 105 mètres, ok, par 24 mètres de large. Pour ça, yo levé, gado à l'air libre, yo en dedans, yo volé, yo ka déplacé d'un point à l'autre. C'est ça nous te carrelé et hangar artisanal. C'est pas ça que nous avons commencé. Et nous continuons à faire comme ça parce que je ça, le poule là dans ça, j'ai encore mieux que le langage industriel. Là. Mais là, nous n'avons pas dépassé 10 000. Nous allons visiter 4 hangars comme ça, qui sont là-dedans, 10 000 ou bien 12 000. Après, nous allons dans le dépôt, avant nous passer dans le langage industriel là, qui est là-dedans, environ 50 000. Nous avons ça, qui lui-même, c'est bouette là. Qui prennent et que nous venons mélanger avec
soya qui dans ça, nous prenons dans ça, ok, nous prenons bouette là, nous rentrons dans bas ça, soya tombe là dedans, les mélanger parce que manger pour là c'est trois bagages qui fait, maïs, soya et puis calcium. Là on dit nous calcium, c'est surtout en espagnol, mais c'est calcium. Calcium là c'est sable blanc. C'est sable blanc, c'est la donne ou prend 10% ou mélanger avec maïa ou mélanger avec soya. Ça le petit soya la donne ou râler soya tombé dans proportion que vous voulez, vous mélangez, vous mettez calcium et puis après ça vous prenez, vous ca mettez dans sac. Ça lui même il prend 10 sacs. Ça veut dire que si nous journée nous fait 100 fois, nous fait 1000 sacs. Si nous fait 1000 fois, nous fait 10 000 sacs. Tout autant que nous avons produit, nous avons production. Cependant, nous avons fait petite production pendant le coronavirus parce que nous avons bloqué en série de moments. Mais nous avons fait grande production parce que nous avons tant de production maïa. Nous voulons rentrer en collaboration avec les paysans pour nous voir quelle quantité nous avons produit pour nous acheter le maïa. Parce que normalement, nous avons besoin de 10 000 tonnes de maïs pour faire ça seulement. Ça veut dire que nous avons pile maïs. Chaque pour un euro. Non, on a besoin de 10 000 tonnes pour 6 mois. Donc ça veut dire que avec production nous allons gagner, ou obligé gagner, c'est peut-être ça jusqu'à présent, d'acheter plus fort manger à République Dominicaine. Parce que manger qui fait ici, à que vous vendez ici, ça la vend 27 dollars. L'achat dans la République Dominicaine, il coûte 18 dollars. Ça veut dire que pas gagner terrain n'est qu'à faire business pour l'acheter ici. Mais ici, les vins produits chers, c'est parce qu'ils achètent tout bas. L'autre bord. Si nous arrivons à produire maïa, manger à descendre jusqu'à 15-16 dollars. Les gens qui sont dans les vétérinaires, ils ont 24 sur 24. Depuis pour le grand problème, ils prennent, ils mettent l'infirmerie. Okay, mais après, qui ça nous fait avec tout ça? Dépendant, si que son problème, il a besoin de vitamines, il a l'île, il a retourné. Si que nous remarquons qu'il a plus de problèmes que ça, il a abattu. Pour lui, il n'a pas grandi au début. Pour lui, il prend 4 mois. De l'heure de première journée jusqu'à 4 mois pour vous grandir. À partir de 4 mois, vous commencez à pondre et vous faites 12 mois à pondre. Ça, c'est W36 là. Mais W81, lui-même, il fait 16 mois à pondre. Mais il fait 16 mois. Mais il n'a pas un bon rendement même à W36 là. W36 là, le rendement, c'est 92%. Ça veut dire que si vous avez 100 poules, il y a 92 qui pondent là-dedans. Alors que W81, si vous avez 100 poules, vous avez 75 qui vont là-dedans. Donc, si vous cherchez rendement, vous allez dans W36. Poule là, en dedans, il y a des vitamines que vous allez, vous suivez. Si le malade, vous allez le médicament. Parce que normalement, c'est quand vous même déjà tout animal que lié. Cependant, si vous arrivez son contamination, vous ne pas quitter l'endroit, vous allez battre. Nous avons besoin de 2 millions d'œufs par jour en Haïti. Et là, la capacité par nous, c'est 150 000. Il y a Haïti Boller qui est un investissement jamaïcain qui ici, qui fait 300 000 lui-même. Il y a un ferme en face là qui va l'ouvrir, qui a produit beaucoup plus. Mais là, nous gardons toute production, ça y est, il est arrivé à 700 000. Nous avons besoin de 1 300 000 encore pour Haïti. C'est là que nous avons fini de penser à la production nationale là, que nous avons fait exportation. Mais je dis nous, Dominicani, vous voyez Haïti, vous voyez Token Gekos, vous voyez la Providence. Donc, si je dis à nous produire 3 millions d'œufs, ce qui est facile, nous avons envoyé 1 million dans ce pays pour nous vendre, parce que le pays, c'est l'hôtel que nous vivons de nous. C'est tout risque que nous recevons. Si nous voyons 1 million d'œufs, ça fait un petit coup de dollars qui rentre dans l'économie. Nous. Non seulement 60 millions de dollars, nous ne pouvons pas voir l'aller, 900 millions de dollars pour là, nous ne pouvons pas l'aller, mais nous prenons très coup. Et la plus grosse raison qui fait que le coup a varié, tout a varié, c'est que nous ne produisons pas. Nous avons une balance commerciale qui est déficitaire. Nous importer pour 5 milliards de dollars, nous exporter pour 1 milliard, et ça nous exporter, c'est ça que fait nos factories, ici. Donc nous avons une balance commerciale de 4 milliards déficitaires. Qui fait que, il est extrêmement important que nous réduisons, et là nous réduisons, ça veut dire que nous avons besoin de pile dollars pour nous voir l'autre bord, et nous avons dollars, ça. Dollars que nous gagnons, c'est dollars diaspora, qui peut être 3 milliards. Même l'offre nous voyait de la diaspora, l'eau besoin de dollars encore. Et tout ton besoin de dollars, c'est la loi de l'offre et de la demande de dollars pour augmenter. Surtout si dans le budget, il y a un déficit budgétaire. J'en ai un budget qu'on y a. Donc ça veut dire que
production nationale là, c'est atout majeur pour nous descendre toi. Qu'on y a si nous voulons, nous ca quitter toi à fond ti monter pour nous préparer nous ca venir compétitif. Ça c'est politique nous, mais gens nous est là, nous asphyxier parce que pratiquement pas gain rien que nous produit dans pays. Et exemple ça montre nous que si n'a produit dans pays a grand pile côté cap fâché. Par exemple, il y a un article Santiago Xoti qui dit le sénateur de la tortue est un danger pour l'agriculture dominicaine. Pas un danger. Moi simplement à faire production pour pays a parce que nèg qui conn voye je a, il fait compli. Le jour que le pas voye encore son ennemi boulé. Et c'est peut-être ça qui est important pour encourager tout le monde à garder ça yo parce que si jodi a ou ta gen l'état qui l'ennemi ou pas gen peuple là qui zanmou ou pas ka faire production ça. Parce que ou ka décourager si on investissement comme ça que nous mettez fonds propres nous que nous prêter 1 million de dollars pour nous arriver que n'a paye régulièrement gen 50 moun k'ap travay gen 300 machines qui dépendent de lui gen 500 moun que comme petit machine que nous bay vendre ça veut dire que ça derrière ferme là gen plusieurs moun qui vivent de lui si expérience ça li rivé li pas réussi au fur et à mesure moun pa investi dans pays. Et je dis à visite ça, c'est montrer nous comment nous devons prendre confiance dans le pays ça pour nous investir, pour que nous arrivions justement dans la production nationale. Mais la production, il y a un peu de problème. Il faut l'État mettre route. Par exemple, la ville, là, où est blocus. Il y a un camion qui aller. Il y a un voleur. Il y a un voleur dans la route. C'est un déficit pour une entreprise comme ça. Donc, il faut une sécurité, il faut de l'eau. Il faut qu'il y ait courant et me penser, il faut qu'il y ait prêt pour les jeunes. Parce que les jeunes ont l'idée, mais ils n'ont pas de prêt. Et c'est pour être ça, nous allons faire formation en novembre ou décembre à jeunes pour qu'ils connaissent exactement eh bien, comment le secteur avicole est. Et deuxièmement, pour, puisque la Banque centrale met en politique de prêt à travers ça, pour comment ils joignent tout. Parce que nous avons besoin au moins deux fermes comme ça dans chaque département. Pour que nous, pour ze seulement. Après, il faut qu'il y ait ferme pour du riz, maïs pour notre bail. Mais on a besoin de ferme comme ça pour que vous arriviez autosuffisant. Pour la bague à boire de l'eau direct là, il faut le traiter pour l'arriver boire. Là, nous avons un pigou en gars là. C'est un gars industriel. Côté que Napoué, il y a une capacité de 50 000 pondeuses qui pondent chaque jour. Mais là, lui-même là, il est beaucoup plus moderne. Côté que je vais arriver directement. OK? Pour là, s'il fait besoin, tata pour là. Là, il est juste derrière. Nous avons une longueur de 125 mètres. Que le rivet et que nous évacuons par là et que nous faisons fumier avec elle. Sac là, 35 $, c'est le meilleur fumier. C'est avec tata pour là, ouais, t'il a l'eau, n'a fait là. Comme c'est la Tibonite, nous avons t'il a l'eau derrière là. C'est avec elle. Mais nous pouvons parler à Negom. Negom. Qui c'est Saint-Domingue, monsieur Nego Cap. Combien de temps fait travail Saint-Domingue? 21 ans. Monsieur fait 21 ans de travail Saint-Domingue, mais nous rapatrier. Il y a Ronaldo qui là. Et qui monsieur qui est responsable en gare là? C'est pas gain en gare ça au Saint-Domingue, mais là il vient, il est habitué, il travaille. Negam. Ben monsieur Damien, une petite explication pour nous. C'est ça. Il sorti depuis hier. Dans la dernière limite pour l'arrière, il vient là. Il y a un bouton pour peser pour Zé à venir. Ok. Les Zé arrivé, gros vini, petit vini, moyen vini. Les Zé arrivé, gros vini, petit vini, moyen vini. Les Zé vini, ou même, ou à distribuer Zé. Salon bon, petit yon bon. Ça fait Zé tout bien vini. On l'autre bague encore. Gon bouton pour manger, chaîne manger, gon bouton pour peser pour poulio manger. Là, il gon bouton peser pour toilette là. Toilette là même gon côté il tombé derrière. Il tombé sous lui ou gon bouton peser pour toilette là il tombé derrière. Toute bagaille qui fait dans pour là c'est parti bouton. Celle bagaille qui pas bouton dans pour là, elle n'a pas marché nous même là nous pas bouton. Si pour ça yo, ça dépend si c'est W36 là ou prendre mami. Si c'est W80, on va prendre Saint-Domingue. Mais nous prenons W36 là. Ils viennent à 11 jours où météo là. Et puis ils font 4 mois là. Après 4 mois, on transfère l'autre bois.
Mais là, il y a tout système de l'eau à tout. Il y a un système de l'eau. Là, on vient nous mettre mangeoire, nous mettre tout le bail pour eux. Ça, c'est pas duré. Pas duré, donc on prend la tibonite, on prend de tous côtés. Pas un problème. Et pas duré, ça allait beaucoup mieux que t'as mettre rip, l'on nettoie le bois. Journaliste qui l'a et nous décider réaliser une interview exclusive ensemble avec sénateur pour parler nos idées de femme et visite guidée. Notre objectif et première question que nous avons posée sénateur aujourd'hui, hein, c'est visite guidée. Quel objectif sénateur qu'on décide de réaliser visite ça? Visite guidée nous fait un objectif pour population qui connaît importance agriculture en général dans vie en pays, importance production nationale. Et je dis à depuis longtemps où tu es arrivé dans une situation que comme si l'agriculture son bagage était délaissé, son bagage que tu t'es confié avec des monde peut-être qui va te gagner pour te faire, alors que l'agriculture c'est lui qui pour le peuple à manger, même genre tout industrie vestimentaire là c'est lui qui pour habiller peuple là. Donc je dis à effort ça qui fait là que côté que nous t'es fait un investissement pour nous t'es gagné 50 000 pour deux ans, 50 000 œufs par presque par jour. Nous venons augmenter le prêtons en corps, nous venons augmenter la capacité à 150 000. Okay. Et nous avons dit que nous parlé de ferme. Là. Nous avons dit que nous avons dit que mes fermes là, tu quittes prêtons en corps, nous devons montrer qui s'est fait à corps là. Okay. Okay? Dans le sens d'investissement. Ça, c'est yon. Mais deuxièmement, nous voulons que ferme là servent d'un modèle. Côté que l'agriculture est faite autour, elle est faite en ferme là, elle est faite autour de ferme là. Parce que je veux dire, si je fais manger là, il faut que tout le monde qui produit maïs, il va venir vendre. Il faut que tout le monde, je veux dire, qui a gagné l'autre production que vous avez, il faut que tu viennes là. Parce que moi-même, je vais utiliser toute production pour me faire manger pour poule là. Troisièmement, il y a un pilote jeune qui est là, qui a rentré dans la question de production agricole là, sans que peut-être tu aies en agriculture, par exemple, production alvéole là, production de médicaments pour poule. Production de vitamines. C'est des bagages qui sont rentrés et viennent consolider ça qui est là déjà. Donc, troisièmement, là, pas les Dominicains qui ont dit sénateur, la tortue sont danger pour la République Dominicaine en matière d'agriculture. Moi, je voulais montrer que, justement, nous pas en danger pour la République Dominicaine. Nous, c'est simplement un producteur national qui voulait que je dis, il n'y a pas déversé manger en Haïti, qui fait que toujours mettez nous à l'arrière-plan. Yo pas jamais considérer nous comme vraiment pays et tout le temps nous avons problème manger, nous avons problème pour nous habiller, nous avons problème politique. Donc je dis à moi te montrer et me te vle et insister sur ça puisque dans le discours moi parler de production nationale, mais comment nous ca arriver faire production nationale ça. Si on a 100 fermes comme ça. 10 dans le secteur avicole, yon par département. 10 dans le secteur fruits et légumes, yon par département. 10 dans le secteur production céréales. 10 dans le domaine côté de cadine élevage et 50 dans le domaine de question du riz, maïs, tout ça. Okay. Vous pensez que vous êtes privé pour exporter, manger pour 3 millions de dollars, 3 milliards de dollars? Okay. Non. Moi, quoi que je dis, moi, je voulais attirer l'attention à mon yo, que si je dis, il y a un bagage qui est essentiel, c'est la production nationale. Là. Okay. L'autre question que moi j'avais posé ou insister en pile sur femme et on femme comme ça et au cabanon idée de et combien elle coûte ça fait ça poser une question et puis deuxièmement le mariage entre la politique et l'agriculture qui j'ai idée ça devenir et à partir de qui moment qu'on certainement imposer et l'idée ça en de société là c'est ça on femme comme ça il commencer premièrement dans fonds propres côté que nous avons commencé à 50 000 pondeuses c'était acté gain il va même entouré et que nous avons 3 hangars sous lui. Dans 3 hangars, nous avons 50 000 pondeuses que nous avons achetées et que nous avons produit. Nous avons un abattoir, nous avons un hangar industriel, nous avons un dépôt. Je dis à l'heure que nous avons une possibilité de prêter en cob, nous dit que nous avons transformé la ferme en ferme moderne. Nous avons 8 hangars, un abattoir, une chambre froide,
en usine pour que qu'on y a nous vienne augmenter production. Donc moi parce que l'autre prendre avec fonds propres entre 30 au départ sous tes mettez investissement que tu fait sous terre qui était environ 20 millions de gourdes plus terre. OK, avec qu'on y a là l'autre investissement qui vient faire avec prêt avec ça nous vient ajouter sous lui qu'on y a moins pas bon on donner exact mais li vient vraiment gagner 70 millions de gourdes qui a ajouté sous acte là. Maintenant et politique agriculture, un homme politique doit être un homme d'action et l'action pour moi c'est l'agriculture qui est en premier. C'est vrai, l'homme dans la chambre, l'anègre, m'a écrit loi, m'a parlé de yo. Bon, écoutez, son métier pour me parler. Mais vraiment, Yuri la tortue, son nègre pratique, qui toujours, et depuis longtemps, maman de l'agriculture, et papa me bat l'agriculture, mais tonton de la donne. Du côté maternel, tout le monde a eu gainté, ni des dunes, ni grand monde. Et c'est l'homme de la moute cap, de toujours aimer ça. Et l'homme fini, c'est pas dans la même d'abattre. D'abattre l'agriculture, comme un homme. Cependant, l'université fait même mal de l'autre côté, mais ça arrive ensemble. Donc, je dis à moi, parce que je n'ai pas aucune notion de l'agriculture techniquement. Mais, dans la tête, je me développe. Et c'est peut-être ça, parce que je dis à Gampil, je m'apprends. Gampil, technicien qui l'a, je m'apprends de eux. Et moi, quoi que je dis à moi, je voulais définir quand même une politique agricole nationale qui va permettre que nous baillons le peuple à manger. Et dans toute explication qu'on a là, et certainement qu'on explique, où tu commences son côté, et je dis à un côté, quand on voulait aller vraiment dans 2 ans, dans 3 ans, c'est qui bon? Quand on t'a aimé aller dans 2 ans, dans 3 ans, c'est arrivé à ce que dans tout le pays, il y a un investissement qui fait dans le secteur avicole là pour que nous arrivions à produire 2 millions d'œufs. C'est-à-dire, pas moi seulement, non? Tout le pays a. Et nous prenons autonomie nous sur ce domaine. Même c'est ça besoin et pas sur ce domaine seulement nous Miami et gain ceux qui sont en Europe sur tout pays ça et puis gain un secteur qui Haïti dit bon ça moi fait ou changer dans chaté a dit nous te konn faire voyer ba yo voyer ba nous faut nous même nous voyer ba yo bon nous même nous pou konn voyer ba yo a nous est suffisance et alimentaire dans secteur agricole là et puis après il y a pile si il la providence t'ken ke kosyo pa même gen terre pa même gen de l'eau et ben n'a produit pour yo et le ça ka privé au lieu si 3 milliards de dollars que diaspora vini la pour retourner l'autre bord le ça ou pas dans situation que la prêté dans pays a l'a investi dans pays a et puis n'a prend dollars de l'autre bord c'est comme ça pour nous créer richesse nous pas doit créer pauvreté et moi penser jodi a c'est ça qui est extrêmement important et c'est la gars ça moi veut faire passer gade le c'est la politique m'a parler de loi m'a parler de constitution mais gon l'autre bail que m'a fait passer pas en prêchant par l'exemple député et bonsoir comment est bon et nous en forme et la bataille et son plaisir pour moi pour que nous font petit bat bouche ensemble et où la et première question et ça expliquer présence et objectif là aujourd'hui bon présence moi c'est pour bah valeur à sa fête qui bon et nous connaît que Haïti son pays qui a souffert de problèmes d'investissement et lorsque une personnalité prend responsabilité pour investir dans un pays comme ça avec tout risque ça pour derrière, je pensais que son bagage pour que la société apprécie et balle toute valeur. Et c'est dans la dynamique ça moi-même moi présent pour que moi porter tout support à type d'initiative ça yo qui de tendance à créer richesse dans le pays a qui de tendance à créer en quelque sorte de situation pour améliorer conditions de la vie dans le pays. Donc c'est ça que fait nous présent. Nous présents pour que nous gardions, même avec tout le monde, qui valait et investissement qui fait dans le domaine. Non? Et ça a de tendance à permettre que nous arrivions à créer, non seulement créer richesse, mais permettre que nous recampions et scampions figure et secteur ça dans le pays. Hein? Lorsque nous comprenons la majorité ça gagne dans le pays, hein? C'est. Majorité ça nous consommer dans pays assez importé n'importe yo. Donc l'industrie c'est un bagage que nous totalement mettre à côté. Donc nous penser et force ça il mérite encourager et c'est dans la dynamique ça que là. C'est ton plaisir député. Le plaisir à partager. Hein? OK, nous t'ai gagné député ensemble avec nous qui était fait intervention par l'expliquer objectif li à jodi en affaire Miori la tortue qui dans commune Eléogane.
et moi vraiment grand public qui je venais qui était vraiment nombreux et qui viennent là et ça voulait dire pour vous comme même vous expliquer que vous voulez longer la même barre. Ah ça c'est l'espoir. Il y a un jeune qui est intéressé à la question, c'est l'espoir, parce que jeune dans lui même en général ou que noir il n'est pas venu non parce qu'il comprend l'intelligent là où elle déplace il vient là au scout agronome n'est qui dans droit n'est dit mener université là ça c'est l'espoir. Moi tellement content c'est que comme d'ab jouer équipe point gagner. Ouais, par exemple, moi, l'équipe Argentine, c'est quand on bat l'Argentine, la jeu la guerre. Bon, fanatique brésilien, excusez-moi. Mais quand ça va là, un bon exemple. Mais c'est quand on bel match que je là. Parce que le jeune, il est venu, il a tellement posé une question. Il y a des questions pour m'attendre. Et c'est eux-mêmes qui constituent dans le pays. Et si vous êtes intéressé, je vais faire une formation pour vous en novembre pour que vous rentrez dans le domaine. Et ou baronne si gen moi non avant que me dépasse cette question peut-être oublier moi dire que compétition sur le marché avec moun ki nan même secteur avec oui. Ou comment ça est nous gagnons député Dupra qui gagne il est Haïti nous gagnons et Haïti Bola qui gagne investisseur haïtien là-dedans tout nous pas former une association de producteurs du secteur avicole. Yo relé me dit ça moi dit pas gain temps dit depuis Dupra écrit ba yo moi avoir et puis c'est pas nous trois qui gwa non seulement nous va prendre tout petit producteur mettre ensemble mais d'ici peut-être la fin de l'année faut nous monter association. Et dernière question il n'est jamais trop tard pour bien faire et qu'il est-ce qu'on peut mettre mon yo que ou va dégager quand même gain de vrai la bonne technicité en agricole comme vous intéressé à ça la bonne technicité en agricole c'est pour qui le est-ce qu'on décide dans l'école agriculture par contre comment vraiment de ça ah, moi même moi pense que dans secteur agricole là faut nous former des monde. OK m'pa gain prétention aller ça est pas ministère agriculture dans secteur agricole là m'ta remet former des monde qui dans pour la yo former des monde qui ka faire alvéole former des vétérinaires nous ka entendre nous dans association pour nous monter ça même si son bail privé mais nous fait avec prix abordable. Pour qui ça? Parce que moi, pense que je dis à notre secteur, ça, si nous besoin de grandir, faut nous gagner une bonne technique. Okay. Un dernier mot pour mon yo? Dernier mot, je dis, mes amis, je suis souvent sur qui, oui, même toujours à suivre. Yo, je dis toujours, c'est Pigo Platform. Je ne vais pas faire jalousie. Mais je suis bien content de nous là. Nous passons une journée avec nous. Nous, on est là, on est là, on est là, oui, c'était dans breakfast. Et entre nous, je dis à nous retourner, mais nous, on va changer. Nous, on va même pas y'a un abattoir, un chambre froide. Eh bien, je dis nous merci. Merci parce que je dis à meilleur support nous bon. Je dis, c'est le nous là, et puis nous permettre 100 000 personnes, 200 000 personnes, on va là. Parce que ça nous a fait une sorte de conscientisation. Et montrer nous que dans l'État, l'on nous prête un corps, il a investi, il a fait un sérieux, il a créé richesse. Et pays ça, qui aujourd'hui, c'est la peine des Antilles. Qui autrefois c'était la perle des Antilles, les cas retournent la perle des Antilles. Et voilà, merci, c'était sénateur Yuri Latotu qui était ensemble avec nous, que nous déplacer, venir au Ghana, venir à Femnia, et c'était Olfton Benoît.